Ya! Ah, vous, t'as eu peur. Les amis, bienvenue dans ce nouvel... Ah, ya! Ah, là, t'as eu peur. Là, tu peux pas dire. Autant la première. Ok, c'était prévisible. Là, la deuxième, tu t'es fait surprendre. À vous. Non, plus sérieusement, les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur Ghost of Tsushima. Hein, j'ai pris en compte vos remarques parce que je rajoutais un T. Quand je le prononçais, je disais Ghost of Tsushima. Tu vois, il y a le T. Alors que non, en fait, c'est tout simple. C'est Tsushima. Tsushima. Hein ? Donc, voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode. On venait d'obtenir la frappe céleste ici. On avait combattu un boss, tout ça, qui voulait l'apprendre. Et en le combattant, on a observé ses techniques. Et c'est nous-mêmes qui avons appris la frappe céleste. Donc maintenant, voilà, je peux l'utiliser à tout moment. Alors attention, ça consomme quand même une petite unité de concentration, là, de je ne sais plus quoi. Bref, le truc qui sert à se soigner. C'est ici, là. Voilà, le petit rond en bas à gauche. Donc quand j'utiliserai une frappe céleste, ça m'en consommera un. Au niveau de la map, là, on est où dans notre périple? Oh, il y a un petit renard ici. Terrier de renard. Sanctuaire d'Inari requis pour débloquer un emplacement de char mineur. Off. Oh, ça me ferait remonter pour rien, non, ça sert à rien. On va continuer à descendre. Ici, il y a la forge de Komatsu. Est-ce que j'y vais? Putain, mais en tout cas, je me suis vraiment bien dévié de ma trajectoire. Hein. Aïe, 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 aïe. Alors, on va essayer d'aller de se recentrer, on va aller vers là. Et après, comme ça, je descends. Voilà. Mais avant de d'entamer le périple, il faudrait peut-être que je descende sans me casser la gueule. Hein. Genre ici. Genre là. Aïe! Aïe! Tout va bien. Là c'est bon. Écoute, cheval. Ramène-toi. Merci. C'est un peu long hein, quand même. Ah! Vivement que le soleil revienne là, parce que je suis pas venu à Tsushima pour avoir le temps que j'ai en Bretagne. Attends, oh oh, je suis venu moi, je suis en vacances ici là. Hein. Regarde la tristounette, la tristounesse du coin. Hein. La tristesse. Pourquoi j'ai dit la tristounesse? J'invente des mots moi. Laisse tomber mon frère. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plante, tout simplement. Une fleur. Eh, ils ont mis une fleur au pluriel alors que c'est une. Oh, ils ont fait une faute. Putain, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont barricadé? Il y a du sang partout. Oh, eh, vous savez, ça me rappelle quoi? Pour ceux qui ont vu Kingdom sur Netflix, la série. Je vous l'avais déjà dit hein, dans le premier épisode du Let's Play. Franchement, foncez voir cette série. C'est avec des zombies. Mais en Corée. Donc c'est vraiment stylé. Et justement... Mais ça ressemble grave à un endroit dans la série. Donc je vais descendre. Ah, c'est la forge. Ah bah d'accord. Il y a quelqu'un ou... Bonjour. Ouais, ça fait flipper avec le sang partout là. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Hello? Y a pas de zombies, hein, quand même. Ils sont pas partis en couille à ce point dans le jeu, non? Ouais, franchement, je suis pas très rassuré, là. Hein. Peut-être quelqu'un là-dedans, non? Hello? Bon, y'a du feu, donc. Y'a forcément quelqu'un, c'est pas possible. À l'étage. Il n'y a même pas un cadavre. Et le truc, c'est que dans Kingdom, justement, les zombies se cachent sous les maisons. Se cachent sous les maisons. Donc le fait qu'il n'y ait pas de cadavre là, ça m'inquiète. Ils sont peut-être cachés sous les maisons. Il n'y a vraiment que du sang, quoi. Ouh. Non mais là c'est trop là. Bah écoutez,
Il y avait écrit territoire mongol, en plus je m'attendais à ce qu'il y ait des gens. C'est quoi ça? C'est une armure, d'accord. On va prendre quelques ressources, hein, écoute. Je vous rappelle que je dois améliorer mon armure et mon katana. Hein. Donc tant qu'à faire, prendre des petites provisions à droite à gauche. Ouais, bon, sortons d'ici là. Ouais, mais attends, mince. Je sais pas si ça sera expliqué plus tard pourquoi c'est le bordel comme ça. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui m'observe. Vas-y, vas-y, je me casse. Cheval, vite, viens. Récupère-moi, cheval là. T'es où? Viens là. Je peux plus rester ici. Ici, il y a quelqu'un. Ah, ça a allumé. Attends, bouge pas. Ah bah tiens, regarde, l'oiseau. Lui, il est censé me guider vers... Il est surtout con, hein, cet oiseau. Il s'est mis dans la baraque. Je vais à l'étage. Teubé cet oiseau, ma parole. Non mais je veux pas, descends. Bon bah, vraiment, très étrange. Et ça, pareil, y'a rien à récupérer. Trop bizarre. Le vent, il me dit d'aller où? Non, pas le katana, le vent. Ah oui, je suis pas du tout dans la bonne direction, moi. Oh, ah bah les v'là. Aïe 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 aïe, c'est une embuscade. Purée. Ah, ils étaient là. Ah, les salauds. Ah, les chevaux, on se casse. C'est quoi ce bordel? Plus jamais je reviens ici. Fini. Mauvaise ambiance. Allez, c'est par là. Il y a du chemin, hein, 500 mètres. Oh, attends, c'est quoi ça? Il se passe des choses vraiment bizarres ici. Hein. Oh, désolé. C'est sûrement la population qui se fait agresser, mais j'en ai rien à foutre. J'ai rien vu! J'aimerais bien rencontrer un nouveau récit. Oh là, oh là, oh là, oh là. Confrontation là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Petite merde. Aïe! Qui veut m'affronter? Allez, venez. Hop. J'excelle. Maintenant, je maîtrise le katana comme personne. Et ramenez-vous. Ah, par contre, la lance, je suis pas encore au point. Voilà. Et le petit dernier, qu'est-ce que tu branles là? Maîtrise tes émotions, l'ami. C'est quoi ça? Un coffre? Ah oui, je lui dis de maîtriser ses émotions, parce qu'on l'a vu avec Dame Masako, hein. La colère n'engendre rien de bon. On perd le contrôle de soi et on fait des bêtises. Bah, c'est vrai, hein. Vous avez pas remarqué? Quand on est énervé, on fait toujours des conneries. Soit on prononce des mots qui dépassent notre pensée, soit on frappe, il fallait pas frapper, tu vois, des trucs comme ça. On forme une bonne équipe, toi et moi. Faut... toujours s'isoler, voilà. Dès qu'on est énervé, on s'isole, sinon on va faire une bêtise, on va froisser quelqu'un, on va faire du mal à quelqu'un. On contrôle ses émotions, n'est-ce pas, monsieur?
On contrôle ses émotions, vous êtes pas d'accord? Venez donc vous battre. Je vous propose un petit duel pour me montrer si vous savez contrôler vos émotions. Non, ne soyez pas énervé, l'ami, ne soyez pas énervé. Prenez votre temps, soyez calme. Aïe! Oh bah voilà, tu vois, il a bien montré que en contrôlant ses émotions, on arrivait à faire des merveilles. Hop là! Oh là! Passe des choses bizarres. T'as vu la frappe céleste? C'est magnifique, hein. Frappe céleste. Ah, par contre, j'ai plus de détermination, là. Oh, 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 oh. Attends, attends, attends. Oh putain le con. Là je suis un peu dans la merde hein. Voilà. On prend son temps, on prend son temps. Posture de l'eau. Pour le bouclier. Très intéressant ça. Oh what the hell. Pourquoi m'as-tu tourné le dos, l'ami? Et voilà. La patience. J'étais patient dans mes attaques. Bon, j'avoue que là, j'ai un peu fait le con. Hein. Ah, c'est bien parfois de rigoler, mais bon, là... Oh, mais c'est pas mon cheval, ça! Je savais pas qu'on pouvait prendre les chevaux des autres. T'inquiète pas, je te fais pas d'infidélité, c'est bon. Allez, on y va. C'est par ici. D'ailleurs, attends, pourquoi ils étaient là, tiens? Ah merde, ils les ont tués. Bon, bah tant pis. Je n'ai rien pu pour vous, messieurs. Qu'avons-nous ici? Une demeure semble-t-il abandonnée. Je vais mettre la carte quand même, on sait jamais, non? Nous avons ici le passage du torrent. Ah, c'est un espèce de fort, ok, d'accord. Mais ouais, mais là, attends, ouais, je suis bête, moi, depuis tout à l'heure, je mets ça, là. Je suis cette direction, mais non, maintenant, je peux me recentrer. Je peux aller me faire la légende de Tadayori, qui me donnera l'armure de Tadayori. Tadayori, qu'est-ce qu'il y a sous ton... Wow, 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 c'est quoi, ça, qui m'attaque, là? Un ours? Petit ours brun, c'est toi? Allez hop. T'es nul. On s'en prend pas un samouraï. Voyons. Tiens, équipement mis à jour, 2 améliorations disponibles. Maintenez option pour voir les détails. Ah, on peut améliorer les flèches. Oh, mais attends, c'est trop bien ça. Faut aller voir le trappeur. D'accord, ok. Nobu, plus vite. Ah bah je dis pas non pour améliorer les flèches parce que déjà une je crois dans n'importe où dans le corps, ça enlève les 3/4 de la vie. Oh putain, il y a des patrouilles partout hein. Donc si je l'améliore, ça peut one shot. On va remonter le fleuve, je pense. Il y a un village au bout. Préfecture Azamo. J'évite les routes, comme ça il n'y aura pas de, de patrouille. Par contre, c'est quand qu'il se lève le soleil là. Il est tristouné cet épisode. Hein. On va peut-être sortir la flûte, hein, écoute. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là.
Eh bien, profitons de ce temps de merde pour devenir un assassin. Je suis un ennemi attiré par un carillon. Qui m'a vu ? Personne. Trouvez, observez le chef mongol. Alors. Est-ce qu'il serait pas là, le chef, justement ? On dirait bien que c'est le chef. Non, mais c'est un cheval ! N'importe quoi. Y'a pas quelqu'un... Ah si, y'a un mec là, hein. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, quand même. Et lui, il est ici. Il a un casque, hein, d'ailleurs. Je sais pas si... Sortir le carillon là pour lui. J'ai rempli l'objectif bonus. Et si c'est lui le chef, comment on l'observe ? C'est ça la question. Ah ouais, il y en a encore trois à l'intérieur, putain. Est-ce que je tenterai pas un nouveau carillon ? Merde. Je suis grillé. Aïe ! Qui d'autre ? Allez ! Ah, il est fatigué, le pauvre petit. Ok, c'est bon. Je rengaine. Alors, qu'avons-nous ici, là ? Artefact mongol. Ah. De l'acier. Des projectiles. Bah, on va reprendre la posture classique. Et rengaine, s'il te plaît. Alors, le chef. Toujours pas de chef en vue, hein ? C'est quoi ce camp de fou là ? On va sortir le carillon. Il s'est brûlé. Ah, meilleure scène du jeu. Le gars, il s'est brûlé tout seul. Un génie. Bah non. Bah c'est pas ma faute, moi, si... Ils se sont excités tout seuls. N'importe quoi. Oh là, y'a un gros là-bas. Oh, y'en a encore. Ok, putain. Il a tout niqué. C'était rigolo, mais moi ça fait pas mes affaires. Hein. Où est celui-là ? Est-ce qu'on peut le carillonner, celui-là ? Non, il s'en bat les steaks. Mince.
Laisse tomber. Il avait écrit quoi déjà, merde? Tuer les chefs mongols. Mais je crois que c'est lui, hein. C'est forcément un chef mongol, lui. Il est trop balèze. Je sais pas comment on l'observe. Peut-être d'en haut. Je peux pas monter. Va falloir accélérer, Joe, hein, puisque là, on va faire un épisode sur le fort. Laisse tomber, hein. Au pire, c'est pas grave, hein, je me fais repérer, hein. Parce que là, ils ont pas l'air de vouloir bouger, hein. Il y en a un en haut, je crois. Putain, il y en a encore. Ouais, il est balèze ce fort. Hein. Et lui, là, qui est tout seul. J'ai pas envie de sauter, je vais me faire mal. Pauvre homme qui s'entraîne tout seul. Ah voilà, observez le chef. Ah, ça donne des points aussi. Pour débloquer la posture du vent. D'accord, ok. Bon bah il va falloir que je le fasse plus souvent. Malheureusement. Ouf. Ils font mal, ils font mal. Et voilà. Ça, c'est un bon coup critique, ça. Quoi ça, les carrières? Abréger ses souffrances, évidemment. Si on peut rendre service, on le fait. Allez, on termine ce camp une bonne fois pour toutes. Et on enchaîne. Disparu les mecs ou quoi? Ils sont là. Ah mais il faut que j'en tue un au moins en haut. Merde. C'est ça le problème. Merde, ils reviennent. Oh putain! Oh! Posture de l'eau! Un gros port en moins. Ouh! Non. Reviens là, l'ami. Wow! Écoutez, ça me paraît bon. Un peu long, c'est vrai, j'ai un peu traîné. Mais je suis fier de ce que j'ai fait. C'était pas mal. J'ai essayé de faire un peu d'assassin. Enfin, je voulais faire full assassin, mais bon. Les ennemis sont particuliers, quoi. Une fois qu'ils ont pris une position, ils bougent plus, quoi. On peut y aller, hein. On continue, hein.
C'est par là, cheval. Quand même, reprendre la route principale. Ah, voilà les premières éclaircies. Bah écoute, on est arrivé, hein. Une histoire qui allégera nos âmes chagrines. Il y a bien des siècles, le guerrier Tadayori sauva Asamo d'une attaque de pirates. Monseigneur, approchez, je vous en prie. Allez-y. J'aime bien les récits. Votre histoire m'a l'air très intéressante, mais je m'étonne de vous trouver, Asamo. Nous allons tous deux là où l'on a besoin de nous, Seigneur Sakai. Mon histoire vous est également destinée. Il y a plusieurs siècles, Tadayori Nagao était le plus grand archer de l'île. Il était réputé pour sa sagesse et sa précision. Le Kame Hachiman fut si impressionné par son talent qu'il lui donna son armure. Elle était d'une légèreté et d'une robustesse sans pareil. À l'époque, de cruels pirates sévissaient le long de la côte, menaçant de dévaster le village d'Asamo. Les habitants coururent se mettre à l'abri, mais Tadayori affronta les pirates seul, avec son armure mythique. Les pirates envahirent les rues, mais ils furent transpercés par les flèches de Tadayori. Quelques-uns survécurent, mais aucun coup ne perça l'armure de Tadayori. Bien des années plus tard, l'archer s'éteignit paisiblement chez lui, mais son armure disparut mystérieusement. Certains disent que ses descendants en ont la garde. Ils attendent la venue d'un guerrier qui protégera à nouveau Tsushima. Eh ben, je suis là. Les quelques écrits qu'il nous reste sur Tadayori font référence à une couronne violette, un endroit au nord d'Asamo, recouvert de chrysanthèmes violets, où Tadayori aimait méditer. La légende de Tadayori. Mon seul objectif, c'est de chasser les Mongols de notre île. Cette armure pourrait m'aider, si elle est aussi remarquable que vous le dites. Son armure est sans égale, monseigneur. Et je suis persuadé qu'elle attend quelque part. Trouver la couronne violette. Ah, ça m'intéresse, moi. Une armure aussi efficace qu'on le dit là, comme ça, ça pourrait faire la diff. Allez, cheval, viens. Il est à 710 mètres. On se croirait un peu dans Red Dead Redemption. C'est ça que j'aime bien en tout cas dans les récits, c'est la façon dont c'est raconté. En fait, t'as un gars qui raconte des histoires, tu te poses, il te raconte la légende en fait. Et après, à toi de voir si tu veux la suivre ou pas. Hein. Donc c'est vraiment cool. C'est pas juste, tu prends un papier, il y a écrit « Oui, on raconte qu'il y a une armure super cheatée qui traîne dans le coin. » Ah, c'est un haut maintenant. Cheval, tu t'es trompé. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je blague pas avec vous, moi. Il y a un problème, on le résout tout de suite. Tes potes, c'est pas très sympa ça. Toi tu commences à me les briser, c'est raté, c'était voulu. Oh là, non c'était pas voulu.
Voilà. Avouez les gars, vous avez kiffé mon entrée en scène. Le petit saut sur le cheval et rah. J'ai toujours voulu le placer. Bon, je vais y aller sans toi, cheval. Quoique, 230 mètres. Je... Reviens, cheval, reviens. C'est sympa, cette petite histoire. Il s'est mangé le truc. Reviens, cheval. Ne mange pas les poutres, là, les machins. Ça, là. Allez. Suis le vent. Oula. Encore une histoire d'ours. Je vous remercie, messieurs. Ce fut un plaisir de combattre à vos côtés cet ours. Bon. 90 mètres. Je l'ai fait solo. C'est bon, j'ai trouvé. C'est là-bas, les fleurs violettes. Magnifique. Il y a des ours partout ici, ou c'est comment? On va prendre encore un petit peu de ressources, hein, quand même. Ah, tiens, regarde. Mais non! Qui a crié? C'est bien ici. Oh, qu'est-ce qui vient de se pop là? Passage de large. Ouais, d'accord, ok, merci. Putain, je me dévie encore, hein. Ah ouais, il faudra que je refasse une marche arrière. Aïe, 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 aïe. Bon, on est arrivé. C'est ce qui compte. Bah ça y est, le temps a encore changé. Il m'énerve ce temps. D'ailleurs, attends, tiens. Moi, je veux remettre le beau temps. Il y a des belles couleurs, là. Il y a du violet. Je veux que ça pétille. Voilà. Allez, encore, encore, on y est presque. Voilà. Là, c'est beau. Là, c'est magnifique. Hein. Très bon système. Hein. Oh, une patrouille. Je vais les affronter, je pense. Messieurs, je vous demande de vous arrêter. Hey. Oui, vous, là. Envoyez-moi votre meilleur guerrier. C'est lui ? Yeah ! Et ben voilà. Je n'en ai fait qu'une bouchée de votre meilleur guerrier. La suite, s'il vous plaît. Bah, ils sont quand même bien équipés, hein. Ouh ! Hop, putain. Oh, aïe, 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 aïe. Ok, ok, c'est bon. Messieurs. On peut... J'ai de l'argent, si vous voulez, messieurs. J'ai de l'argent. Toi, là. Pas mal, petit scarabée. Wow. Allez, venez. Oh. Maîtrise ta colère, petit. Hop là! Eh oui, j'avais oublié les petits kunai! Un kunai! Un kunai matata! Hé! Eh ouais, mon gars! Et tu veux voir autre chose de stylé? Le petit ralenti, le petit truc est dans la tête. Et un petit ralenti. Oh putain! Ok, attends. On peut le refaire? C'est pas à volonté! Je croyais que c'était à volonté, moi. On peut pas ralentir le temps à volonté. C'est noté. Mais au moins, tu vois, j'ai tenté de nouvelles choses dans le combat.
Je me suis pas cantonné à faire des attaques rapides ou tu vois des trucs comme ça ou comme ça. J'ai vraiment varié mes coups. Et je me suis rappelé que j'avais des kunai. Hein. Ah, c'est en haut. Vous m'en voyez ravi. Mais comment y accède-t-on? Peut-être par là, tout simplement. Hein. Faut pas chercher plus loin. Hein. La couronne violette. L'armure de Tadayori est peut-être ici. Où tu vois la couronne, toi? C'est pas une couronne, ça. Mais, de l'encens. Il a brûlé récemment. Oh. Il parle de quelle couronne violette, lui? Il y a quelque chose dans ce cylindre. Une carte du havre de Tadayori. Ah, peinture acquise. C'est quoi? C'est l'entrée d'une grotte? C'est... Que suis-je censé comprendre? Que en face de cette montagne, semble-t-il, hein, il y aurait la porte tout en bas là de la carte? Non, c'est pas ça. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Hein. Genre là-bas, il y aurait quelque chose. Écoute, on va tenter. Oh putain. Le vent me dit rien. Trouvez le lieu indiqué sur la carte. Pour moi, c'est ça. Je peux la mettre en grande, ouais. Attends, j'ai perdu. Voilà, c'est ça. En face. Ouh, je fatigue un peu. Le combat était intense. Bon, je vais peut-être y aller en cheval, hein, quand même. Quoi, qui est là? Ok. Non. Je veux pas me battre. J'ai autre chose à faire, moi. Franchement, ça peut être que là. Hein. Ah, mais non, je t'en ai encore des chrysanthèmes violets. Ouais, le c'est là. De Tadayori n'est pas ça ressemble, la montagne là. D'accord, en fait, ce que je regardais, le bas de la carte, c'est là où j'étais tout à l'heure. C'est là où il y a l'hôtel, justement, avec la petite sculpture, voilà. Et en face, il y a cette montagne, justement. Qui est cachée derrière les arbres, évidemment. Donc il doit y avoir l'entrée d'une grotte. Accélère, Nobu. Les falaises sont trop abruptes. Il doit y avoir un autre passage. Regarde, tiens, quand tu regardes la carte, c'est exactement ça. Il y a une petite lanterne avec l'entrée d'une grotte. Non, mais me sors pas ça, me sors pas ça. Il est con. Vas-y, range. Havre de Tadayori. Oula. Qui a fait ça en plus? Comment c'est récent. Trouvé cet endroit? C'est très une récent. Comme celle de la couronne violette. Mort lui? Ça va l'ami? Le havre de Tadayori. Waouh. C'est magnifique. Qui est enterré ici? La course folle du temps ralentit. L'âme de Tadayori trouve le repos. D'un seul arc tombe mains ennemies. L'emblème du clan Nagao. Le clan de Tadayori.
Le même encens qu'à la couronne violette. Il a brûlé récemment. Que faites-vous ici? Qu'est-ce quoi? Allez-vous-en. Je ne vous veux aucun mal. Je suis Jin Sakai, neveu du seigneur Shimura. Vous êtes un menteur doublé d'un voleur. Défendez-vous. Mais... madame... Il y a un problème, là. Enfin... Je ne mens pas. Vous n'êtes pas plus honnête que moi. Bon. Tu veux ton duel? Tu vas l'avoir, ma cocotte. Je ne veux pas vous tuer. Arrêtez! Oh, bien joué ça, bien joué. Je m'y attendais pas. Comment osez-vous profaner les terres sacrées de Tadayori? Vous déshonorez... Ta gueule. Vous déshonorez la mémoire de Tadayori, voilà. Pas mal, hein. Oh purée, voilà. Ça c'est chaud. Là j'ai plus de vie. Ça va être tendu hein de la battre. Battons-nous contre les Mongols, nos vrais ennemis. Vous n'êtes rien d'autre qu'un infâme pillard. Oh, je suis un fou, je suis un fou. Il est chiant, sans m'attaque, il la relâche. Oh là là, mince. C'est impossible. Vous savez vous servir de cette lame volée? Mais oui. Mais elle n'est pas volée. C'est bon! Halte, monseigneur. Je m'appelle Kaide. Je suis l'héritière des Tadayori. Je pensais tous les samouraïs morts. J'ai cru que vous étiez un pillard. Je ne suis pas un voleur. Mais je cherche l'armure de vos ancêtres. Et vous méritez de la porter, seigneur Sakai. Mais cette armure est perdue. Comment pourrions-nous la retrouver? Il y a une phrase dans un vieux parchemin. Tadayori veille sur la baie d'Azamo pour l'éternité. J'imagine que c'est un indice pour retrouver l'armure. L'armure de Tadayori lui conférait vitesse et précision. Portez-la pour défendre les innocents, comme il a jadis défendu la baie d'Azamo. Ouais. Veille sur Azamo depuis les falaises derrière le village. Ça veut discuter après avoir combattu, hein. Toujours la violence. Il y a quoi là-dedans? Bah, j'ai failli crever quand même. Parce qu'en fait, il y a un petit problème. C'est un des points que j'aime pas là dans le combat. C'est quand tu charges ton attaque comme ça. Et ben, au bout d'un moment, même en laissant appuyer sur la touche, il attaque. Voilà. Alors que moi, bah, je voudrais garder cette posture. Et dès que je le sens, je lâche l'attaque. Mais non, il veut pas. Donc c'est ça qui m'a un petit peu saoulé dans le combat. Je te prends ça. Merci. Du coup, le vent me porte... Enfin, me dit d'aller au village d'Azamo à 1,6 km. Tiens, si on testait le voyage rapide? Ah, mais non, en fait, c'est tout bénef, les gens. Dans tous les cas, je dois aller au sud. C'est tout bénef. Je fais mon récit et je continue mon périple. Magnifique.
simplement passer là. Hein. Voilà. Allez, cheval. On a encore de la route. Très très grande la carte. Hein. Je ne t'échangerai pour rien. Ça va faire limite deux épisodes qu'on va au sud. Attends, est-ce que le cheval il peut sauter là, comme ça? Genre là. Ouais, bien. C'est quoi ça? Oh, une mission secondaire, laisse tomber, c'est bon. On a commencé, il faisait nuit. Et là, il y a le coucher du soleil. Une journée sur la route. Mais tu vois, c'est la première fois depuis très longtemps que je prends du plaisir à parcourir une map. Sans forcément avoir d'objectif, tu vois, juste comme ça, me balader, alors que normalement je veux toujours me téléporter. Je fais même pas attention au décor, à ce qui m'entoure. Là vraiment je prends du plaisir et j'ai envie de m'arrêter tout le temps. J'ai envie de faire des pauses à chaque fois. De toute façon vous le voyez hein, je m'arrête vraiment tout le temps. Ça va être problématique hein. Bonjour messieurs. Envoyez-moi votre meilleur soldat, voilà, qu'on règle ça. Libérez ce pauvre homme là que vous avez attaché. Allez hop. Je prends qui en premier? Non. Maîtrise-toi, petit scarabée. Bien joué, bien joué. Eh oui, la frappe céleste. Je vous remercie. Oh, c'est mon cheval? Mais non. Ah non, il est là-bas. Oh putain, j'ai eu peur. Cheval. Ne fais plus jamais ça. On a encore tellement de routes à parcourir ensemble. On se croirait en Afrique. On va faire un safari là. Oh petit oiseau, où m'amènes-tu? Ici? Pilier de l'honneur. Effectivement. Ah bah cheval, doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Le venin des mamouchis. Vos lames sont aussi redoutables que le poison. C'est quoi ce truc? Merci petit oiseau. Mon cheval, on se retrouve en bas. Hein. Parce que là, on a été un peu trop haut. Bon, l'escalade, ils auraient pu la faire un peu plus discrète quand même. Oh. Ah bah tiens. Un sanctuaire. Super. Ouais, parce que les prises comme ça dans la roche, là, c'est vraiment pas discret. Hein. Ça se voit que c'est rajouté. Hein. Ça, c'est dommage. Ça m'a débloqué quoi, du coup? C'était pas un charme? Charme de l'ombre. Non, c'est pas ça. Ils ont dit du venin. Je savais pas, moi. Ah, tiens. Pendant que je suis dans le menu. J'ai 2 points de compétence. Est-ce que c'est pas le moment pour acheter ce que je voulais, là? Le truc qui permet de revivre. C'est où, ça? C'est pas là, là? Suivez le vent. Non, c'est pas ça. Merde, c'était quoi? Ah, c'est ça.
Voilà, quand on meurt, bam, 2 unités de détermination et on revit. Façon Sekiro. Sekiro, Shadow Die Twice. Voilà, c'est fait. Bon. Qu'est-ce que tu fous là, cheval? Il est con celui-là. Il est con. Wow! Ça, c'est du coucher de soleil. Comment je descends maintenant, moi? Parce que là, je sens que si je saute, je vais me casser la gueule. Non? On tente. Cheval, tu te démerdes. Oh! Bien joué! Je pense qu'on peut descendre là, non? Et là, on peut. Ça va peut-être faire un peu mal, mais bon. Et ici, hop. Et au pire... Aïe! Oh! Tout va bien. Faut que j'achète la roulade. Mais bon, je viens de claquer mes 2 points, donc c'est mort. Prochain point, ça sera la roulade. Hein. Je pensais pas que ça serait utile. Mais ça, c'est l'habitude avec Assassin's Creed Odyssey. Hein. On sautait de plus de 100 mètres de hauteur sans se faire mal. Là, maintenant, je me sens pousser des ailes, moi. Là, en vrai, il faut tout calculer. Hein. Bon, c'est où? 450 mètres. Allez, cheval, là, on accélère. Le soleil se couche, t'es dit. Il s'est mangé les arbres, ce con. Laisse tomber, cheval, laisse tomber. Oh! Oh là là! Regardez ma vie! Ça se joue à un poil de zboub! Cheval, j'ai vraiment besoin de toi là par contre. Je sais pas comment tu fais pour sauter sans te faire mal toi, mais bon. Ça va, la vie remonte un petit peu. Ça, confrontation avec qui? Je veux rentrer, moi. Je veux atteindre le village. Une source chaude aussi. J'ai besoin de me ressourcer. On y est presque. 110 mètres. Est-ce que ce serait pas en haut, tout simplement? Parce que j'ai l'impression que oui. Hein. Oh, il y a des chances que ce soit en haut. Attends, cheval. Ah oui, c'est ici. Voici les premières maisons. Et si on passe ici, nous arrivons. Les chrysanthèmes. Oh oh oh, ils sont musiciens. Mais non, mais moi, attends. Ah oui, d'accord. Ah bah merde, ça fait pas mes affaires, ça, cheval. Hein. En fait, je pensais que ça serait cool. Libérer le musicien. On m'a dit que c'était un village. On m'a pas dit qu'il y avait des méchants. Qu'est-ce que je fais? J'y vais à la One Again. Il est où le mec qui était là-haut, là? Bon, bah, let's go, hein. Ça risque d'être compliqué, là, pour faire assassin. Hein. Vraiment compliqué. Je vais me faire celui-là. Oh, il y en a un là, je l'avais pas vu. Ah, assassinat aérien. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Jin. Nous le regardons dans les yeux, avec courage. Quoi? Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. Pardonnez-moi, mon oncle. Ils sont sérieux, là? Il n'y a pas de lâcheté, c'est eux les lâches. Non, 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 non! Lâchez cet otage, jeune homme! Je vous interdis! Oh purée! Faut
faut pas qu'il exécute. Non. Je vous interdis. Oh. Purée. Et donc la nuit elle est tombée vite hein. Ah oui, la nuit est tombée super vite. Truc de fou. Voilà l'ami. Ne bougez pas. J'ai eu du mal à vous protéger, hein, je vous cache pas. Monseigneur, comment nous avez-vous trouvé? Une descendante de Tadayori m'a parlé de cet endroit. Que vous est-il arrivé? Un espion mongol a découvert un rouleau écrit par l'aîné de Tadayori. Ils m'ont forcé à le déchiffrer pour eux, et le texte nous a conduits ici. Ils ont donc trouvé l'armure? Non. Je les ai lancés sur une mauvaise piste, en priant pour que vous arriviez à temps. C'était un pari risqué. Mais qui s'est avéré payant. L'armure est cachée sous ce monument. Elle n'attend que vous, monseigneur. Ah, un monument voilà dédié à Tadayori. Qui fait mes affaires. Rien d'autre à prendre. Bon, eh bien... Déplacer la statue. L'armure de Tadayori. Oh bah d'accord. Savoir-faire incroyable. C'était pété l'animation là pour avoir l'armure. On a eu un écran noir quoi. Armure de Tadayori. Une armure qui a appartenu à l'archer légendaire Tadayori. Un savoir-faire incroyable. Elle est où cette armure? Elle est là. Regardez, augmente la vitesse d'encoche. Oh, comment je suis beau gosse! Allonge la durée de la concentration. Les tirs à la tête restaurent 25% de la jauge de concentration. Pop. Je kiffe. Mais j'avais pas vu que chaque armure donnait... Il y a que celle-ci, non? Ah non, celle-là aussi. Réduit tous les dégâts de façon modérée. Donc c'est celle-là que j'avais. Hein. Augmentation modérée de la santé. Subir des dégâts confère 15% de détermination. Ouais, c'est pas mal quand même, hein, l'armure de samouraï. Mais bon, l'armure de Tadayori, mon gars. Magnifique. Et voilà, mon ami. Je ne laisserai pas les Mongols vous approcher. Waouh. On se fait attaquer. Ils sont là. Je comprends comment Tadayori a pu vaincre seul des centaines de pirates. C'est bon? Non. Wow. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Touché. Oh là. Il y a un peu beaucoup de monde là. Hein, je dois le défendre. Ne le touchez pas, monsieur. Je vous interdis. J'ai plus de flèches, faut que j'en récupère. Pas mort. Il en vient d'autres. Oui, monseigneur. Ah. C'est tendu là. Un coup de... Une flèche, je suis mort. Non. Ouh. J'ai eu l'impression de voir Tadayori en personne. Ah ouais? Il galère autant. Ah, finissons-en.
Ouah, j'en ai chié quand même, hein. Faut dire que... Faudrait que j'augmente mon carco, en fait. Si on est trop souvent à court de flèches. J'en ai que trop... Non, j'en ai combien, là? J'en ai 8. Mais frère, j'ai pas l'impression d'en avoir tiré 8 avant de recharger à chaque fois. Bref. Je vous remercie, l'ami. C'est l'armure parfaite pour un archer. Mon histoire n'aurait pu avoir meilleur auditeur. Il est temps pour moi de reprendre ma route, monseigneur. La légende de Tadayori. Ah, et si on prenait la roulade? Alors, on va dans technique, fantôme, et on prend... Mais je l'ai pas déjà, en fait. C'était où? Bah si, je l'ai. Ah, en fait, c'est à moi d'appuyer sur rond. Je pensais que ça se faisait automatiquement. Ah ouais. Bon, bah, on va peut-être prendre autre chose, alors, finalement. On va peut-être prendre des trucs de samouraï, là. Les parades parfaites restaurent une petite quantité... Ah bah, tiens. Eh, je vais me gêner, tiens. Pareil, une attaque. Des paiements. Ouais, ça, c'est bon. Ah, c'est les trucs rouges, là. Hein, c'est le truc bleu. Ah, ça se transforme peut-être en rouge maintenant. Avec cette capacité. Et l'esquive, une frappe défensive. Appuyez sur rond carré pour esquiver et frapper. Bondissez sur l'ennemi et assainez-lui une frappe rapide. C'est-à-dire, fais voir, tu sprints et hop. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Ah, en même temps, c'est dur de trouver des points de compétence dans ce jeu. Attends, il y a le village pas loin. Village d'Azamo. On va s'y reposer. Voilà, il est juste en bas. Il a pas l'air sous contrôle mongol. Enfin, je l'espère. C'est lui qui joue. Vous jouez très bien, l'ami. Continuez ainsi. Bon, j'ai l'impression que je vais devoir faire tout un détour. Cheval! Cheval! J'ai besoin de toi, cheval. Nous allons aller au village juste en dessous pour nous reposer. Nous l'avons bien mérité. En fait, on a passé clairement une journée dans le jeu, là. Il faisait nuit, et maintenant, il refait nuit. Voilà. 24 heures avec Jin Sakai. Je devrais appeler la vidéo comme ça. Ah non, 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 non. On va rien se reposer du tout, mon ami. Le village est sous contrôle mongol. Merde, alors. Bon, où c'est que je peux me restaurer, là? Bah, on va aller au forgeron brisé, c'est juste derrière. Cheval, je te récupère, on bouge direct. Hein. On bouge direct, cheval. Bouge, 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 bouge. Les forces ennemies dans cette zone sont écrasantes. Ah ouais, non, mais là... Là, j'allais juste me suicider, en fait. Je voulais me reposer, mais ça sera plutôt le repos éternel, hein, si je vais là-dedans. Donc c'est mort. Continuons plutôt la mission du frère de Yuna. Voilà, parce que ce serait pas ici. Là. Voilà. Ah, il y a Yuna en plus. Mais on peut pas se reposer. Oh là, ça s'embrouille. Bon, bah, on va les laisser finir l'embrouille avant de rentrer. Donc, les amis, on s'arrête ici. On se retrouve dans le prochain épisode pour cette mission. On attaquera direct. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était vraiment axé sur l'exploration et sur les quêtes secondaires. Enfin, c'est même pas une quête secondaire, hein, c'est un récit. Hein, ça fait partie de l'entraînement de Jin, quoi, de sa progression. Et là, du coup, on a une armure assez stylée, je trouve. Et en plus de ça, qui accorde des petits bonus sympathiques au niveau de l'archerie. Voilà. Allez, à très vite. Portez-vous bien. Tchuss.